Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une vidéo un peu plus courte que d'habitude puisqu'aujourd'hui on va enregistrer eh bien le pay-per-view WrestleMania. Je suis en rivalité contre Dolph Ziggler. Pourquoi courte également, comme ça après je vais pouvoir aller checker Roadblock pour la prochaine vidéo carrière qui sera eh bien finalement un débat et un débriefing sur Roadblock. Un débat, je ne sais pas encore sur quel sujet, mais en tout cas, il y aura un débat et on parlera également de Roadblock. Eh bien, c'est parti, allons-y gaiement, les amis, pour ce match contre Dolph Ziggler. C'est parti, mon geeky. J'espère que vous êtes prêts. La webcam est toujours là, j'ai bien apprécié les messages d'encouragement, les 99,99% de gens qui m'ont encouragé dans la vidéo respect du mode univers avec Dean Ambrose. Ça m'a fait super plaisir. Merci, 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 merci beaucoup les amis, je vous kiffe. Vous êtes un public extraordinaire, sachez-le. Je dis pas ça vraiment pour faire le faillot, hein. Ne croyez pas, moi franchement je m'en bats les couilles. Si un abonné il me casse les couilles, je vais lui dire. Par contre quand les abonnés ils kiffent et tout, bah ça me fait plaisir, moi je vous le dis. Donc non, je fais pas le faillot, loin de là. Loin de là, c'est cette idée-là, les amis, il n'y a pas de souci. Un WrestleMania, donc, eh bien, en veux-tu, en voilà. Ben, c'est parti, hein, on va tout de suite y aller. Je peux pas intervenir dans les matchs, hein. Je peux rien faire. Je dois finir mon match contre Dolph Ziggler, et après, peut-être que je pourrais enfin aller titiller le titre Extreme Rules. Cette rivalité contre Ziggler Rooney, qui va se conclure à WrestleMania. Eh ben, bah oui, c'est parti! C'est parti, soyons francs, entre nous, les amis, un peu de respect, il faut y aller, on y va, tranquille. Bref, vous avez pu voir également que j'ai repris doucement, tranquillement, calmement, les lives. J'en ai fait un sur juste avant Roadblock que commence, qui a été diffusé normalement, le live, la rediff du live a été diffusée sur YouTube le dimanche. Dimanche 13 mars, à l'heure où je tourne en plus cette vidéo. Voilà. J'ai repris timidement les lives, j'en ferai pas souvent, j'en ferai de temps en temps, quand j'aurai envie. Donc vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne Twitch, qui est Auxor TV. Voilà. Allez, nous sommes du côté de WrestleMania. C'est mon premier WrestleMania. C'est mon WrestleMania moment. Mon first WrestleMania moment de ma jeune carrière de gros sac. Hein, voilà, je sais que je suis un gros sac. C'est comme ça qu'on dit quand on est gros. Hop, et on se respecte en plus. Fous-moi le camp, Ziggler là. Ziggler, il commence à saouler. Hein. Avec son petit, petit kick là du genou là, hein, au calme. Franchement, c'est pas le match WrestleMania que j'aurais espéré avoir dans ma carrière. Mais comme promis, WrestleMania contre Dolph Ziggler, c'est sympathique. Faudrait juste que je gagne ce match. En fait, faut juste que je gagne ce match. Tout simplement parce que voilà quoi, c'est quand même mon premier WrestleMania moment. Mon premier match à WrestleMania. Faudrait quand même que je le gagne. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est ce qu'on va essayer de faire, les amis. L'autorité. Faites passer la santé de votre adversaire en rouge dans d'autres matchs. Bon, bah, ça devrait être assez facile, du moins, je suppose. Allez, le petit... oh, la prise de soumission dans les cordes. C'est malheureux, hein. C'est malheureux de tenter des soumissions dans les cordes comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de choses que je peux faire. Allez, reviens par là, mon petit. Donc oui, comme je disais en introduction, je tourne cette vidéo avant de regarder Roadblock. En fait, Roadblock est passé déjà, je le dis dans ma vie, à l'heure actuelle où je tourne. Mais je le regarde au petit matin. Je préfère le regarder tranquillement. Et ne pas me coucher à 4h du matin, alors là, parce qu'il a commencé à 2h, je crois, le pay-per-view. J'ai pas spécialement envie de me coucher tard. Je me suis dit, je vais télécharger, comme ça je le regarderai le lendemain. Là, je tourne ma vidéo tranquillement, mon petit WrestleMania. Après, je vais tourner une vidéo sans commenter où je vais jouer. Je vais jouer tranquillement. Et après, je ferai mon montage où je parlerai par-dessus de Roadblock, de mon débriefing de Roadblock. Et pourquoi pas incorporer un débat si j'ai envie de mettre un débat dans cette vidéo, ça peut être sympa. Je vais travailler sur le sujet, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais repartir un petit peu comme je le faisais avant. Mes débriefings
où je m'étais fait un petit résumé, etc. Mais vraiment beaucoup plus synthétique qu'avant. Avant, je détaillais tout, genre la ligne gauche à telle minute du match, etc. C'était un peu le bazar. Et pour moi également, parce que c'était vraiment chiant, je préfère vraiment mettre les trucs qui marquent le plus le match et donner mon avis personnel. Pas faire un vrai débriefing, vraiment plus un résumé du match qu'un débriefing. Je pense que on est tous gagnants avec ça. On s'en fout d'avoir un débriefing, enfin, d'avoir un... Comment dire? On s'en fout de savoir ce qui s'est passé dans le match. Ce qui est le plus important, c'est ce que je pense et ce que les gens pensent. Voilà. On s'en fout qu'il a à 18 minutes du match, il a mis une droite. Ce qu'on veut, c'est vraiment dire les tenants et aboutissants de cette rencontre, où ce que ça peut mener, etc. Et si le match était bon. Je pense que ça, c'est le principal. Parce qu'avant, c'était... En fait, limite, avant, c'était vrai. En fait, j'appelais mes vidéos débriefing, mais en fait, c'est vrai, c'était plus des résumés. Là, on rentrera moins dans les détails des matchs. Ce sera plus des vrais débriefings. Faut juste que j'apprenne à correctement les faire. Mais bon. Jusqu'à maintenant, c'était pas trop mal, je trouve. Surtout le débat avec Shane McMahon, que vous avez vraiment apprécié, et moi de même, j'ai beaucoup apprécié ce débat. Je domine le match, hein. Franchement, là, je domine ce match, hein. En même temps, j'ai amélioré un petit peu les stats de mon catcheur. Ça fait plutôt plaisir. Donc, voilà. Pour revenir vite fait sur le débat qu'il y avait sur Shane McMahon avec son retour et son potentiel retour donc du côté de Raw, s'il bat l'Undertaker, qui a ouvert plusieurs portes également de discussion à ce sujet-là, bien sûr, parce que battre l'Undertaker, c'est un petit peu quasiment impossible à WrestleMania. Il n'y a qu'une seule superstar qui a fait. C'est pas n'importe qui, c'est quand même The Beast, hein, Brock Lesnar. Donc voilà. Non mais moi je pense que ce genre de débat c'est très bon. C'est très très bon pour la chaîne, pour la communauté. Je vais arrêter de parler de ma chaîne parce que ma chaîne on s'en fout un peu. Moi ce qui m'importe le plus c'est la communauté. Voilà, la communauté francophone, on peut débattre. Et je pense que le débat, c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui puisse exister finalement, c'est qu'on puisse débattre ensemble, donner notre point de vue, sans passer par des insultes hein, comme il y avait eu sur Triple H par rapport à Roman Reigns. Pareil, vous en avez parlé dans l'épisode du respect. Et ça, pareil, ça a été super bien pris. Et les petits kikous, ben voilà, les petits kikous qui s'en foutent, qui trouvent que Triple H est de la merde, etc. Qui comprennent rien au catch, en fait, finalement, parce que le mec, il a quand même, des années d'expérience derrière lui. Et ben, ça leur apprend le respect. Ouf. Allez, le Celton, ou plutôt le Seton. Bra! Allez. Oh, il est cuit. Non, mais il est cuit. Il est cuit, c'est sûr. Il est cuit, le petit. On va terminer le match. Vidéo très courte, hein, je vous l'avais dit. Hein. Elle va faire peut-être 10 minutes, la vidéo. Mais bon, c'est mieux que rien. De tomber. Allez. 1, 2 et 3, voilà. Très courte, comme ça, au moins, vous avez pu avoir quelques petites brides d'informations de ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir sur ma chaîne. Et voilà, j'ai mon WrestleMania Moment. Donc, vous allez vraiment savoir maintenant ce qui va se passer sur ma chaîne avec le catch. Et je pense que c'est le principal, c'est de savoir ce qui va se passer. Parce que j'aime pas vraiment partir dans le flou. Je préfère vous dire honnêtement ce que je pense de tout ça. Les débriefings, etc. qui vont revenir. Qui vont revenir, mais de façon assez intelligente finalement, qui vont revenir dans mode carrière. Quand il se passera pas grand chose, et bien voilà, je ferai des débriefings. C'est toujours mieux, je trouve. Après, s'il faut faire des débriefings à part du mode carrière, je ferai ça à part. Mais je pense que le faire sur mode carrière, c'est pas mal. Vous voyez le gameplay de mode carrière en même temps, puis moi je parle en même temps, voilà. Après, si vous voulez que je fasse autrement, dites-le moi. Mais je pense que voilà, des fois il se passe pas grand chose dans votre carrière, c'est plutôt pas mal de le mettre là-dedans. Quitte à avoir rien d'intéressant dans la vidéo, mis à part le commentary, autant parler de quelque chose d'intéressant, voilà. Enfin, moi, c'est mon point de vue personnel.
Ça ne regarde que moi, bien évidemment. Mais après, vous pouvez également le partager. Donc, pour venir vite fait à la communauté. Très important la communauté, bien sûr. Moi, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Bien avant ma chaîne, etc. C'est vraiment la communauté. Allez, j'ai lancé Mania Moment. C'est beau. C'est beau, les amis, c'est beau. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me retourne comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god ! Enfin ! Il aura fallu attendre 30 épisodes, les amis ! The Authority is back ! L'autorité, les amis. L'autorité est là. Seth Rollins, Triple H, The Big Show, The Big Red Monster Kane. Ils sont là. Ils sont là, les amis. Il m'applaudit. Il m'applaudit. Ah, il m'applaudit, les amis. Bien ça, c'est bien ça. Que vais-je faire ? Que vais-je faire, les amis ? Que vais-je faire, les amis ? Que vais-je faire ? Est-ce que je vais saluer Triple H ? Que vais-je faire, les amis ? Oh là là, c'est tellement beau ! C'est tellement beau ! C'est tellement beau ! Oui ! Oui, je rejoins l'autorité ! J'ai rejoint l'autorité ! J'ai Helter, les amis ! Je vous l'avais dit que j'étais gentil et tout, je vous ai menti ! Je vous ai menti, les amis ! Et oui, les amis, c'est comme ça que ça se passe ! Le business, les amis ! Il faut savoir traiter avec les bonnes personnes. On traite avec les bonnes personnes. C'est-à-dire Rollins, c'est-à-dire Triple H, c'est-à-dire l'autorité, les amis. Et oui, non mais, attention, hein. Je joue un rôle, je joue un rôle, bien sûr. Ne prenez pas ça au premier degré. Je joue un rôle. Oui, donc, je disais, c'est comme ça, c'est l'autorité qui va gouverner le monde. La WWE même. Voilà. Je vous en dis pas plus sur mes futurs plans, les amis, parce que voilà, j'ai rejoint l'autorité, vous le savez maintenant, c'est désormais officiel. Le serrage de main a été fait. Et puis, ben, voilà. Je vais... Oh, finalement, on va même continuer la vidéo. Hein. Rien à foutre. Rien à foutre, c'est Sheamus le champion. Mais également Roman Reigns qu'on peut aller taper. Mais je vais taper, c'est Sheamus le champion, hein. Est-ce que c'est Sheamus le champion? Il me semble, hein. Il me semble que c'est Sheamus, hein. Ouais, il me semble que c'est Sheamus. Assistance, non. Entrée, cible. Sheamus. Hop. On peut faire une autre intervention ou pas? Non, on peut choisir que celle-là d'intervention. En plus, c'est Imbra qui a gagné, me semble-t-il. Il semble que c'est Imbra qui a gagné le match. Je me suis fait mal, les amis, ici, regardez. J'ai un petit bobo. Oh, j'ai un petit bobo. J'ai mal. J'avais un bleu, à la limite. En fait, je m'étais pété le coude. Ça m'a fait un bleu, puis ça m'a coupé en même temps. Bon, c'est les aléas de la vie. Voilà, donc j'ai rejoint l'autorité et je vais aller frapper un petit peu sur Sheamus parce que ça fait toujours plaisir de vous frapper Sheamus. Il a besoin d'une tête à claque de base. Il a une grosse tête à claque de base, le type. Donc la vidéo sera pas plus longue, hein. Elle va faire peut-être 20 minutes, un petit peu moins peut-être, je sais pas, ça dépendra des temps de chargement de l'infini, hein, voilà. Mais voilà, respectons-nous. Respectons l'Oba lunette. Je peux même enlever les lunettes, mais le problème, c'est que plus je mets ces putains de lunettes, les amis, plus je m'habitue, et dès que je les enlève, je vois pas, j'ai les yeux qui piquent. Donc je préfère mettre les lunettes, quitte à avoir l'air con, mais au moins ça me repose les yeux. Je force beaucoup moins sur le regard. Et voilà. Allez, approche-toi de là, le petit Sheamus, là. Carlis. S'en fout de tout ça, là, les logos, là, c'est Mania, Sheamus, là, Fela, Fellation, si tu veux, fais-lui une fellation, allez, vas-y. Oh là là, Fela, Felus, tête d'anus.
L'autorité va m'aider, les amis, à gagner des titres. Sachez-le. Voilà, je vous le dis. Je ne vous dévoile pas tout. Je ne peux pas vous dévoiler tout, pour l'instant. J'ai mes plans. Rassurez-vous. Mais on reste tranquille. Il n'y a pas de souci. J'arrive fracassé. Je vais lui casser son WrestleMania moment. Viens par là, toi. Descends de là, mon petit. Eh ouais, je suis en face de toi, mon coco. Brah! Le tomber? Il n'y a pas de tomber. Qu'est-ce que je fous? Il n'y a pas de tomber, on s'en fout. Il n'y a pas de tomber, les gars. Pourquoi je t'attends tomber, moi? Eh bien, par là. Voilà. L'agression en coup de chaise, les amis. C'est comme ça que ça se passe à la WWE. Les coups de chaise, là. Les Selton. En veux-tu, en voilà. Allez. Non, c'est pas Selton que j'ai fait, c'est pas grave. L'agression sur Sheamus. Donc, j'ai gagné ma rivalité contre Dolph Ziggler. J'ai rejoint l'autorité. Et j'ai mis une branlée à Sheamus, lui disant le titre. Surtout, c'était même pas Sheamus qui avait le titre. Je sais rien du tout. Je sais même pas. Je veux le titre. Voilà. Mais c'est vrai que je sais même pas si c'est Sheamus qui a le titre en fait. J'ai pas fait attention. Je crois que c'est Banus Barrett en fait qui a le titre. Est-ce que j'ai chié dans la colle? C'est possible. Tout à fait possible. J'aurais dû me renseigner avant. J'aurais peut-être dû aller regarder une vidéo. Une ancienne vidéo pour voir si c'était bien le cas ou pas. Alors, merci d'accueillir mon invité ce soir. Parlons de Sheamus. Pourquoi l'agresser pendant son propre match? Parce qu'en fait, je ne supporte pas, t'as vu, Sheamus, voilà. Bon, attendez. Je vais pas faire d'ellipse. Je vais juste regarder quelque chose, en fait. Parce que là, je suis en train de me mettre un putain de doute. Je suis en train de me dire, Oxor, fais pas le con. Sheamus, c'est pas ta cible. Et ça, c'est Banus Barrett ma cible. J'ai fait le con, les amis. Je suis l'avenir. J'ai fait le con. C'était Banus Barrett, le champion. J'étais un gros connard sur cette vidéo, les amis. J'ai agressé la mauvaise personne. Hashtag Oxor agresse la mauvaise personne. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et j'étais un gros sac. Non, il n'y a pas de tension, tranquille. Non, les coups de chaise, c'était rien. C'est amical. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec lui. Il me rend malade. Il est tellement blanc, le mec. Blanc et roux. Encore un mec blanc. Ça serait du racisme de dire que les blancs... Que les blancs, c'est de la merde. Non. Le pire, c'est qu'il est roux. En fait, le mec, il est roux. Et ça me rend malade. Alors, je respecte les roux. Attention, tout ce que je peux dire, les amis, là, dans cette vidéo, n'est totalement pas raciste. Hein. Voilà, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas... tout ce que tu veux. Voilà, on s'en fout. Non, franchement, il n'y a rien. J'aime les roux, plus les rousses, hein. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est un rôle. Il faut jouer un rôle, des fois. Et je le joue. Parce que je suis motivé aujourd'hui. J'ai rejoint l'autorité. L'autorité, c'est la base. C'est la base de tout fondement dans la vie, de toute façon. Il n'y a pas de vie sans autorité. À l'école, vous avez de l'autorité. Au-dessus de vous, vous avez de l'autorité. Moi, mon travail, j'ai une autorité au-dessus de moi. Vous aurez tout le temps une autorité au-dessus de vous. Mis à part, même si vous êtes patron de votre propre entreprise, vous aurez une autorité au-dessus de vous. L'autorité, c'est l'État. Voilà. Donc, même si l'État, elle nous pisse dessus en ce moment, c'est la base. Bon. Eh bien, les amis, j'espère que cet épisode, à peine plus long qu'il aurait dû être, vous a plu. Moi, je me classe bien dans la rivalité. Je suis bien content. On va continuer tranquillement. Statut favorable en plus, hein, l'autorité, voilà, parce que tu vois, je suis un membre
Je suis un membre de l'autorité, quoi, tu vois, je suis bien, quoi. Je suis avec eux. Non, c'est bien. Je suis membre de l'autorité. Petit passement de... Voilà, tranquille. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis. On se retrouve très vite, sûrement pour le débat et débriefing de Roadblock. Ciao tout le monde, bye bye!